Salut tout le monde les amis, c'est PleurGamer, bienvenue pour un nouvel épisode de Super Smash Bros Ultimate. Je me dis toujours Assassin's Creed, mais non, c'est Super Smash Bros Ultimate. Let's go les amis, on a deux persos à récup ici, aujourd'hui peut-être le dernier, peut-être le final, donc on est parti. Alors, Meta Knight, cool, Meta Knight ça fait 11008, oh pas mal, remporter la victoire, ok, 11008 le Meta Knight. Vous voyez là, Meta Knight. Parce qu'il nous manque, je sais qu'il nous manque un perso qui est dans un avion justement. Vous voyez, j'aurais plus vu Meta Knight dans l'avion, tu vois. Parce que Meta Knight dans l'avion, je me serais dit, ah, c'est pas déconnant. Je dis, ouais, bah oui. Bah oui, parce qu'il a un espèce de bat, enfin un espèce d'avion justement. Putain, il me défonce ou quoi? Quoi délire? Putain. Eh, calme-toi. Hein. Ah putain. C'est là à ce moment-là, je le dis. Ma lame n'est pas assez grande. Oh, le contre qui passe. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Hop, c'est bon. Ok, c'est bon. Meta Knight, c'est fait. Cool. Eh, il était coriace, hein. Il commençait à bien me combo. Ok, Meta Knight, c'est fait. On a un autre perso à récup, les amis. Le fameux Albert. Ah, je me demande à combien de persos il nous manque. On est bientôt à la fin. Ah, on a aussi un côté là. Il me semble. Ah, il y a encore une question là-bas, ok. Bon, on récupère le perso avant. Oh, Link de Zelda, un légende. Un légende, les amis. Et c'est un homme mental. Les armes de contact de l'adversaire sont renforcées. La jauge de sage finale de l'adversaire se charge rapidement. L'attaque de l'adversaire est renforcée. Ok. Ça sera tout. Ça sera tout. Bon, on va essayer de le battre. Et là, j'aimerais bien voir ce lobby là. Attends, c'est quoi ce délire? Ouais, coup 3. Voilà, parfait. On va le trouver. Ah, nickel. Voilà. Allez, 12518, oh ça va être chaud. Oh ça va être dur les amis. Là le Link première génération, Link du premier Zelda. Ah ouais, c'est Artwork, on l'a tous vu hein, c'est Artwork au moins une fois. Bon, le tout premier Link c'est pas mon préféré hein, évidemment, comme vous en doutez. Je vous l'ai déjà dit, mon préféré hein. Mon préféré c'est le Link de Twilight Princess, eh oui. En termes de beauté de Link hein, on parle pas du jeu, du meilleur jeu. Le meilleur jeu ça reste Majora. Ah putain. Ah. Ah le bâtard. Putain il est fort. Enfin en même temps c'est un légende. Je m'imaginais quoi moi. Ah. Ok. Ah. Ah. Putain. Mais c'est moi où il se recharge. Oh putain le bâtard. Il a pris le Swinx. On n'avait pas besoin de ça. Ah putain. Ok. Hop. Hop. Ouh, je l'ai bien enchaîné. Ah, bâtard. Putain, ça, j'aurais calé un contre, il serait mort. Il aurait pris tellement cher. Putain, l'enfoiré. Oh là là. Ah, on a tous les deux un smash. Oh, ça va être drôle. Tiens, bouffe ça. Est-ce que je le tue? Ouais, je le tue, parfait, nice. Ça c'est fait, nous avons Link en non mental, putain. Cool, c'est notre deuxième non mental. Ah lui, j'aimerais beaucoup le tester, mais par contre, on a plus beaucoup d'orbes, c'est ça le problème. Ah, on va peut-être pas pouvoir le tester. On va peut-être pas pouvoir le tester. Ah là, c'est un peu deg, si on peut pas le tester. On va regarder, putain, 3 slots, pas mal. Eh, pas mal le Link, pas mal du tout. Ok. Ok, ça suffit. Tout juste 10 459. Oh c'est bon. Ah ouais. Ah oui c'est quand même au dessus de Mecha Fiora. Et attaque à l'épée. Oh putain bah excellent. Ah ouais bah d'accord. Bah il est excellent pour moi. Ah mais il est génial. Ah ouais bah best card pour moi hein, le Link hein. Attaque à l'épée. Franchement nickel. Alors le perso qui c'est waouh. Ici j'en sais rien. Dans une flamme comme ça j'en sais rien. Ah Luigi d'accord. Luigi t'es là. Ok. Ah ouais très bien. Putain Luigi t'as fini super loin hein. Alors, mais il est temps de te sauver, ne t'inquiète pas. Alors, Geno. Allez, Geno, ça faisait longtemps. J'aurais pu prendre Akuma aussi, mais allez, Geno. Luigi. Luigi. Eh oui, notre fidèle Luigi. Putain, Luigi, c'est à chaque fois la dernière fois. Hein. C'est de... Putain, c'est incroyable. Luigi, quoi. Waouh. Et à ce moment-là, c'est là les derniers persos que je récupère, je prie aux âmes des gens qui, genre, qui main Luigi par exemple. Genre il a toute fin Luigi quoi. Rip à eux. Rip à vous les gars. Vous avez dû jouer, je suis sûr, un Max Mario, hein, qui est à peu près pareil que Luigi, mais bon, c'est pas le même. Si vous kiffez Luigi, c'est pas la même.
Et du coup, ouais, full sub. Je suis deg pour vous. Hop. Oh, bah ok. Il a pas réussi à revenir. Je croyais qu'il allait revenir. Franchement, Luigi l'aurait pu. Ah, il aurait pu. Mais de toute façon, il aurait pu faire sans Misfire. Enfin, s'il aurait réussi sans Misfire, j'aurais pris cher. Hein. Je sais pas, je pense pas que je serais mort, mais j'aurais pris en pleine face. Je pense pas que j'aurais eu un réflexe. Ok, ah par contre, attendez, il y avait une suite, j'ai l'impression. Il y a pas de suite, d'accord, autant pour moi. Il y a pas de suite, n'importe quoi. Ok, alors on va aller par ici, hein. En haut, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, certainement pour évoquer un autre perso. Alors, voyons voir ça. Ah, deux choix, d'accord seulement, cool. Lequel de ces esprits fait partie de l'armée de Bowser? Oh bah, ça va être simple. Je pense que ça va être facile. Là qui tue Eris. Mm-hmm. Et PG. Oh, c'est chaud là. Ah là c'est chaud. Mais normalement c'est là qui tue Eris, je pense. Normalement c'est ça. Parce que là PG vient de Mario 2 et Mario 2 ce n'est pas Bowser l'ennemi, si je me trompe pas. C'est pas Bowser l'ennemi et c'est quelqu'un d'autre. C'est un monstre que je ne sais plus son nom. Un espèce de crocodile. Qui apparaît aussi dans Zelda en fait. Je sais pas si vous voyez un peu qui c'est. Hop, voilà. 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 Étoile filante. Des Bowser étoiles filantes. Hop. Putain. Tiens. Oh lui, il en avait pas besoin, mais... Ok. Ah, par contre, j'ai éliminé l'autre, c'est bien. Ah putain. Allez dégage. Mais dégagez toute cette armée entière. Allez. Ah putain, sérieux. Voilà. Ah bon, heureusement que ma lame passe au-dessus, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Là qui tue Eris. Alors est-ce que c'est bon les amis? On va voir. On va voir. Si c'est l'autre, bah, un peu surpris. Mais ok. Ouais, c'est ça. Ok. Alors la suite c'est par là, d'accord. Ah, on a encore un choix à faire. Très bien, et il y a un coffre. Bah ils sont sympas avec les coffres, hein. Putain, assez généreux avec les coffres. Alors, voyons voir, PG, on va le récup. On va le récup. Un technique. Qui on pourrait prendre? Ouais, bison. Allez, hop. Allez, bison. On l'utilise beaucoup trop, hein. Mais allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'adversaire a créé une ceinture fusée. Ah, d'accord. Hop. Hop, sérieux. Eh, sérieux. Eh, dégage. Putain, je me battais avec cette piche. C'est quoi cette attaque? C'est abusé. Putain, fou. M'a harcelé là avec cette attaque. Elle a abusé. Chrome, double tranchant. Ouais, c'est l'attaque que j'utilise souvent. C'est une bonne attaque en vrai. C'est une bonne attaque. Mais bon, après... Voilà, ça joue dans des occasions, on va dire. Genre il faut pas en abuser. Alors, hop, le coffre. Et on arrive au milieu. Oh, 4 en K, on prend. Ça fait plaisir. Deux choix, je pense. Ah putain, bah, j'ai rien dit. 6 choix. lequel de ces esprits a créé l'armée substantielle et semé le chaos? Ah. Du jeu, actuellement. Oh putain. Ah oui, on a des persos de Smash. Ah oui, on a des... Oh putain, matière noire. Mais c'est pas matière noire. Putain, pour une fois que c'est pas une légende. Prophète. Ah oui. Attends, c'est pas le prophète. Ah non, c'est pas tabou. Putain, de légende, les amis. Oh là là là, ça va être lui. Et Médusa. Ah bah non. Ah. Bah c'est qui? J'ai aucune idée. What the fuck? Matière noire. C'est quoi ça? Ça vient de Kirby? Bah non, c'est pas possible. Bah non, c'est pas ça. Mais ça vient d'où? Colosse Suprême. Mais c'est pas Colosse Suprême. Colosse Suprême qui vient de Smash Bros 3S, les amis. Mais. What? What the fuck? Prophète. C'est pas le prophète. Bon, on va faire tabou. Là, j'en ai aucune idée, là, les amis. Hein. Smash Endurance, utilisez PV de l'adversaire à 0. Vous recevez subitement des dégâts. L'adversaire est recouvert de métal. Oh là là, ça va être dur. Allez, bah là, on va pouvoir tester notre perso, notre new perso, les amis. Link. On va pouvoir le tester. Où est-il? Link. Tu es où? Ah, tu es là. Parfait. Link. Il va pouvoir nous servir. Allez, let's go. Bon, là, ça va être dur. Là,
Oulala, ça va être dur. Recouvert de métal, je le sens pas. Hein. Ouais, je pense que j'aurais dû prendre Ike, à la limite. Ike ou Link. Ah, c'est un smash ambiance. Ah, bah, du coup, on s'en bat les couilles. C'est juste qu'on peut pas le combo. Ah, la salope. Hop. Pour le coup que je l'ai mis. Ah! Tiens. Ah, ça. Ah. Ah. Ah, merci. Ouf. Des fois, le dernier coup, c'est tellement dur à mettre. Ok. Bon, bah, tabou, c'est fait. Bon, c'était pas si dur. C'était pas si dur. Tabou en légende. Ouais, ah, bah, on n'y arrivera pas à le monter, les amis. RIP. Non, désolé. Vous verrez pas tabou 99. Je suis vraiment désolé, les amis. Ah, bah, ouais, bah, là, il y a trop de légende. Je suis désolé. Ah, bah, c'est bon. D'accord, c'était tabou. Ah, bah, incroyable. Incroyable que c'est tabou. Ah, il y a un boss. Ah merde. Ah, je dois l'affronter. Ah merde. Ah bah ouais, j'ai pas le choix. Ah mince. Et je sais qui c'est. Ah bah si, je peux. Ah c'est bon. Si je sais qui c'est, ça va être son bras, non? Je pense. Medusa. Bon bah du coup, on va faire Medusa vite fait. Hein. Bah du coup, vu qu'on y est, on va affronter ce boss. Parce que je pense que c'est pas le final. Hein. Je pense que c'est pas le boss final. Mais bon, au pire, tant pis. Hein, je pense pas qu'il y aura des crédits, je pense pas qu'il y aura une cinématique de fin. Enfin, peut-être, peut-être une cinématique de fin. Oh putain, une géante pas au ténor. Manquait plus que ça. Hop, hop. Ah, la salope. Hop, et voilà. Au revoir, pas au ténor. Ça, c'est fait. Ok, ok, ok. Très bien. Très bien. Parce que là, ce qui est chiant, les amis, c'est que la map est grande. Et pff, si on fait pas ce boss, on va tous trop taper. Je vais devoir vous faire une ellipse, c'est assez chiant, je trouve. Ah, il y avait le ministre antique. Waouh, je l'avais jamais vu. Ah, je l'avais pas vu. Merde. Le ministre antique. Ah, je vous l'avais pas présenté, les amis. De toute façon, c'est pas lui, hein, j'en étais sûr. Mais, d'accord. Ministre antique qui vient de Smash Bros. Brawl, les amis. Comme Tabou. Hein. Tabou qui est le boss final de Smash Bros. Brawl. C'était vachement stylé. Brawl qui a un excellent mode aventure, mais bon, ça, je pense que tout le monde vous l'a dit. Ouais, ils ont des grosses bombes, d'accord. Ah non, non, il va. Ah, le bat. Eh, vous êtes trop doux. Oh. Ok. Voilà. Le géant il dégage, ça c'est bien. Ok, bon, ça, vous avez plus de bombes, les gars. Hé hey. Vous êtes ché. Vous avez plus de bombes. Ah là là. Oh putain. Tiens, hop. Et. Ah putain. Ah, il a esquivé. Il a retardé son échéance. Hop, voilà, ça c'est fait. Le ministre antique qui fait plaisir. Ah, du coup, rip, hein. On peut plus monter des légendes, les amis. Dommage. On avait deux monstres légendes à monter. Ça aurait été sympa, mais bon, écoutez, tant pis. On peut plus. On a plus d'encas. Je suis vraiment désolé. On a plus du tout d'encas. Alors, on va faire le prophète. Prophète qui vient de Bayonetta. Ouais, c'est vrai que ça a la gueule, hein, de toute façon. Ça a la gueule de venir de Bayonetta, ça. Eh oui, je reconnais bien là. Hein. Alors, Bayonetta, prophète. Il y a coup de poing, coup de coude, sont renforcés. D'accord. Ouais. Évidemment, pour avantager le perso. Ah. Ah, le salope. Putain, la contre. À la contre à ce moment-là, quoi. Ok, bon, ça c'est fait. On l'a défoncé, hein. Allez, hop, ça c'est bon, on avance, allez, on va se taper le légende là les amis, on va bien s'amuser. Un monstre de Kirby, d'ailleurs je ne connais pas du tout ce monstre de Kirby, genre il me dit absolument rien, c'est matière noire, non, je ne connais pas, il est vachement classe, hein. Mais celui-là, putain, non, je ne connais pas, pas du tout. Allez, Alucard, on va prendre Alucard et on va prendre Celebi, voilà, et nous sommes partis, Celebi notre gars sûr. Meta Knight. Ah putain, Meta Knight, on avait bien S quand même quand on a dû le libérer. Ah, il peut nous tuer. Hein. Oh putain, on a un Dadilou. On a un sale Dadilou. Ah putain. Putain. Ok. Ouf, putain, le bâtard. Ah, le bâtard, il fait mal. Hop, ok.
Hop, ok. Oh, on l'a bien enchaîné là. Oh là là. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un trophée en plus. Putain, c'est pas mon jour. Oh, on voit rien. On voit rien. Ah. Ah, putain. C'est bon. Ouh. C'était... Waouh. C'était pas évident. Hein. Matière noire. Ok. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Malheureusement, impuissance, hein, qui ne pourra pas être pontée. Rie pas lui. Ah ouais, j'aurais bien voulu le tester, hein, mais bon, là, il vous donne pas assez d'encas, quoi, c'est dommage. C'est triste. Très triste. Colosse suprême. Oh là là. Ah, lui, c'est une plaie. Dans Smash Bros. 3S, c'est une plaie, les amis. Allez, pourquoi pas tester notre Akuma. On a 13 000 de puissance, on va voir. Hein. Et non, on n'a pas d'item, hein. On n'a rien. Des bonbons, ok, d'accord. Un DK. Ah, un DK géant. Hop, ah le bâtard. Hop. Eh, il fait mal. Hop, voilà, c'est fait. Pouh. Ouais, finalement, heureusement qu'on a pris Akuma, je me dis. Hein, parce que putain, il fait mal. Hein. Colosse suprême. Ah, il est stylé, mais putain, mais quel enfer celui-là. Ah, il est dur à affronter dans Wii U et 3DS. Il est très dur. Surtout en 9.9, hein, c'est waouh. C'est la définition de l'enfer. Franchement. Y a pas d'autre mot. Alors, on gagne quoi? On gagne 2 encas, d'accord. Bon, c'est pas beaucoup, hein. C'est malheureusement un 10 encas à la limite, pourquoi pas. Mais là, ouais, c'est pas beaucoup. Ok, bah du coup, nous sommes partis. Hein, nous sommes partis pour faire ce boss. Qui va être certainement son bras. Hein, je pense pas que c'est un autre. On va voir. Ah non, c'est un autre, d'accord. Ah, je savais pas qu'il existait lui. Ah bah lui, je ne savais pas du tout. Donc un combat sans fortitude. Ah, j'ai envie de prendre Link. Ah ouais, j'ai envie. Allez. Ah là, j'ai envie, les amis. Et vous avez vu, ils nous ont mis Celebi d'instinct. Ça veut clairement dire que Celebi, c'est le meilleur. Il n'y a pas de doute. Sinon, ils nous mettent autre chose. Ok, bah lui, je sais qui c'est. Hein. Ouais. Cet être plein de ténèbres. Ouais, voilà. Cette tête de l'enfer. Cette tête du démon, hein, littéralement. Max. Ah, il a un nom. Je savais même pas. Max. Ah putain, c'est un monstre de Kirby, hein. Je ne sais pas d'où il apparaît dans Kirby, mais c'est un monstre de Kirby. Ouais. Je peux vous le garantir. Putain, il met 25. Putain. Je peux pas le stun un petit peu. Putain, et en plus j'ai mal à mon oeil. C'est quoi? Oh, c'est quoi ça? Putain, c'était drôle, on dirait des fesses ce qu'il a vu. Ah putain. Arrête de TP. Ah. Oh le bâtard. Oh l'enculé. Ah ah. Oh putain, il m'a mis ultra mal. Je vais pas présenter avec toi, mon gars. Je vais pas présenter avec toi. Putain, même ça, ça fait rien. Eh, tu te stun un peu. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est quoi de ces boules noires? Putain, heureusement que j'ai seul vie, j'aurais déjà perdu 100 fois, les amis. Oh putain, le bâtard. Ah, le fils de... D'Hitler. tiens, ok, c'est bon, Max c'est fait. Ah, je savais pas qu'il existait. Pour le coup, là, je me surprise, les amis. Bah voilà, le Max du chéton, il est mort. Nice. Bah, du coup, on a bien fait de le faire. On a bien fait de le faire, c'est pas le boss final. Tout va bien. Max, Kirby Superstar. Ah, il vient de Kirby Superstar. Le Max du démon, comme ça, il vient vraiment de Superstar. Genre, il a pas été créé de là, on est d'accord. Il a pas été créé de Smash Bros. D'accord. Comment en être aussi innocent pour être aussi un chéton comme ça? Je vous le demande. Et ben voilà, ça s'est fait. Très bonne chose de faite, les amis. Ah, du coup, qu'est-ce qui va s'afficher? Ah, la zone est débarrassée, mais c'est pas fini, il nous manque des esprits encore. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, au milieu. C'est vrai, on a fait les trois zones, techniquement, les amis. Eh oui, eh oui, eh oui. Ah, le voilà, son bras. Ah! Ah, les amis, on va s'amuser. On va s'amuser. Mais son bras, on ira le titiller après. Fais son apparition au centre de la carte. Eh oui. On ira le titiller après son bras. Ne vous inquiétez pas. Avant ça, qui normalement devrait être le boss final, je pense. Normalement. Si je ne me trompe pas. Ou il y a peut-être encore un truc à la fin. Mais pas sûr. Voilà, parfait. Allez, là, on va se barrer de ça. Merde, c'est pas par là. Quel con. Oh, attends, il y avait un. C'est bon, il y avait un passage. Non, non, mais qu'est-ce que...
Je vous le demande, les amis. Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Allez, vas-y. Ah bah on peut pas en fait. Ah en fait c'est par là qu'il faut se barrer. Ah bah ouais. Ah oui d'accord, c'est par là. D'accord, ok. Très bien. Ah ils ont changé la map, c'est pour ça que ça m'a déstabilisé. Ok, bon on n'a pas encore terminé ici les amis. Rappelez-vous, on avait skip une partie. Et du coup il faut revenir. Et il nous manque encore des persos certainement. Certainement encore quelques personnages. Ce qui est dommage c'est qu'on peut pas réduire un peu la carte. C'est vraiment dommage parce que là il y a beaucoup de bordel. Et donc du coup on s'y perd un peu. Quel côté on n'a pas fait? Il y a un côté on n'a pas fait. Hein. Te fous pas de moi. Il y a un côté qu'on n'a pas fait. Ah, déjà l'avion on l'a pas fait. L'avion on l'a pas fait. On sait même pas comment l'atteindre pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Hein. Mais évidemment on va le savoir après. Alors, on va revenir par ici. À la limite j'aimerais bien peut-être me repop au début et on reprend des chemins un peu normaux. Ouais. Ah c'est chiant. Là on est en phase où on a perdu... On a perdu le sens de la map, les amis. Ah là là. Alors, peut-être par ici. Ouais, je crois que par là, je suis pas allé. Ouais, c'est bon, je suis pas allé. Ok, c'est par ici, les amis. Les derniers esprits sont là. Lequel de ces esprits est un scientifique? Bon, ça aurait été facile, non? Je pense. Andros. Ah. Dur. Kresos. J'en connais pas. Oh putain, c'est dur. J'ai rien dit. C'est ultra dur. Ah là là, je ne sais pas. Ça vient de quoi, ça? Metroid, Adam. Ouais, non, on dirait un marin. On dirait un capitaine de navire. Kresos. Non, Kresos de Mystery Pass, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Donc, je pense que c'est Andros. Techniquement, ça va être Andros. Allez, on est parti. Alucard. Et gravité faible. Voilà. Ah non, merde. On a un type. Merde, quel con. Quel gros connard. Excusez-moi. Non, bah du coup, faut pas, on peut pas prendre Alucard. Hein. Et on est parti. On n'a pas la gravité comme ça. Allez Ganondorf, donc peut-être la fin du Let's Play aujourd'hui les amis, peut-être, on a encore du temps. Et d'ailleurs j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je pense qu'on est plus très loin, voilà. Je pense qu'après Sombra c'est peut-être la fin. Oh putain, Andros. D'ailleurs c'est vraiment Andros ça. Genre je me suis toujours dit, genre c'est bizarre. C'est quoi sa vraie forme? Oh putain. Ah là là. Ouf. Putain je me fais dégager par Andros. Non mais... Ah mais t'es sérieux Andros? Ouf, bah je vais mourir. Ouf. Mais sérieux Andros, il se conclut jamais Andros? Ah putain, je l'ai raté. Je suis mort. Ah putain, mais c'est quoi ça? Mais c'est horrible. Putain, Ganondorf il me saoule. Ganondorf il a une putain de défense face à Chrome. Putain, me dis pas je dois reprendre Link. Sérieux quoi. Pour un boss de niveau 3, un vétéran, je vous parle, les amis. Voilà, Rally. Ça, ça m'énerve. Genre, le type ne dégage pas, quoi. Il ne dégage pas. Mais non, mais il est tarasse. Ah, mais. C'est une blague. Oh, il commence à m'énerver. Il commence vraiment à me saouler, hein. Je prends plus cher que lui, vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable. Tiens, dégage, voilà. Nice. Putain, il était chiant. Surtout Andros, mais c'est Andros derrière qui est chiant, putain. Oh, il est chiant à mort. D'habitude, il disparaît, et là, il reste. Je sais pas pourquoi. Genre, pourquoi il reste autant de temps? C'est un truc de malade. Ouais, c'est ça. Ok, on est d'accord. Et on arrive à l'avion pété. Cool. Nice. Et il y a un coffre. Sympa. Donc c'est peut-être les derniers esprits là les amis. C'est peut-être les derniers, je pense qu'on a rien de peur pas ça. Adam Malkovich. Malkovich pardon. Ok. Donc Snake. Allez. Bison. Notre fameux bison. On va le prendre évidemment. Snake, battle combattant principal. Il est possible qu'il y ait une ellipse au fait les amis dans cet épisode. Hein. C'est totalement possible. Et pourquoi vous allez me dire peut-être que mon téléphone est chaud. Donc voilà. C'est tout à fait possible. Quoi? Nani? Voilà. C'est bon, au revoir. Merci quoi. Genre Snake il était pas mort quoi. Hop, ça c'est fait. Ça c'est nice. Et enfin l'autre esprit Kresos, je ne sais pas d'où il vient. Franchement, place Mystery Pass, putain, ça. Ouais. Kresos, je ne vois pas du tout d'où il vient lui. C'est ouf. Incroyable. Je ne sais pas. C'est un mystère.
Là, pour le coup, celui-là, c'est vraiment un mystère. Mais en tout cas, il est vachement stylé. Hein. Il a la classe, Krasos. Il a intérêt à limite. Est-ce qu'il y a une tenue par rapport à lui? Je sais pas, il est boxeur. Ah ouais, putain. Ouais, ça lui ressemble pas trop. Hein. Enfin, si c'est sa tenue, ça lui ressemble pas trop. Hein. Non, ça a l'air d'être une tenue autre chose. Ça a l'air d'être autre chose. Et voilà, le boxeur, c'est fait. Krasos, ça a l'air d'être un ennemi, hein, je pense. Mais il est stylé. Il a la classe, putain. Il est trop classe, les amis. Attaquer depuis un rebord. Aïe. Ok, allez, on va sauver le combattant qui est dans cet avion. D'ailleurs, je me pose beaucoup de questions. Qui est ce combattant-là? Qui est peut-être notre dernier. Oh putain, cristal en légende. Ouh. Ouh là là. Cristal de Star Fox Adventure. Ouais, ça, ça a la classe. Alors, un non-élémental, un Fox, des trophées d'obsile apparaissent. Ok, il y a cristal en trophée, certainement. Hein. D'accord. Et du coup, on va prendre notre Link. Hein. Notre Link qui est bien plus fort. Alors par contre, on va prendre celui-là. Hein. Et on est parti. Encore un perso qui est plus fort que nous. Ok, bon, Fox. Fox, nous sommes partis. C'est comme ça qu'il faut le dire. Il faut dire Fox. Comme dans Melee. Melee, il se dit comme ça. Enfin, c'est la voix qui dit ça. Et du coup, moi, ça me fait rire. Genre, ça me faisait tellement rire. Ça me faisait un peu rigoler la voix off, comment qu'il prononce les prénoms. Genre Samus, il prononçait Zors. Enfin, moi je comprenais ça. Hein. Je comprenais pas du tout Samus. Hein. Putain, je me fais sacrément violer là. Littéralement. Genre, alors je suis pas consentant. Ah putain. Et d'ailleurs, Kofu, un Falco ici. Genre, j'ai pas demandé à un Falco. Oh putain. Ah bah ils m'ont déglingué. Waouh. Putain, là ça va être dur. Ah ouais, là ça s'annonce dur. Marshadow. Marshadow, il est stylé. Il est stylé, mais je le connais pas trop, Marshadow. J'ai des doutes si c'est un légendaire, mais je sais pas. Peut-être. Oh. Oh là là. Ah putain. Ah. Eh vas-y, Crystal elle est horrible. Oh putain. Oh ouais, c'est comme si c'est une joueuse trophée, hein. Oh. Oh putain, elle réapparaît, d'accord. Ah, je croyais qu'elle disparaissait, mais non. Ah putain, la tour. Oh non. Mais non, mais putain. Ah mais c'est une blague. Oh, mais ils sont chauds les trois là, c'est quoi ce délire? On va changer de formation. Ah ouais, clairement là, on va changer. Putain. Waouh. On va essayer Link. On va essayer Link, mais là, waouh. Putain, qu'est-ce qu'ils sont durs. On va essayer Link. Après, sinon, on essaiera avec. Et si, enfin, si on se fait défoncer avec Link, on retente avec Link. Et si après... Si on fait un beau combat et qu'on n'y arrive pas, on va tenter Hack, mais sinon je le prends off, les amis. Parce que là, casse les couilles. J'ai pas envie qu'il me prenne plus de temps que ça, quoi. Ah, c'est déjà les deux qui me défoncent. Ah là là. Mais putain, elle break mes combos. Voilà, au revoir. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Putain, il est casse-couille. Je l'aurai. Ouais. Putain. Ouf. C'était chaud. Hein. Waouh. Il m'a fait galérer cet esprit légendaire. Incroyable. Putain, le fait qu'ils sont trois, c'est surtout ça. C'est le fait qu'ils sont trois. Et surtout, pourquoi j'ai pas réussi avec Chrome, les amis? Bah déjà, pour bouger, c'est pas évident. Hein, déjà, parce qu'ils sont trois, justement.
à me harceler. Et en plus, malheureusement, Chrome est léger. Donc du coup, il fallait un perso un peu plus lourd. C'est pour ça que Link convenait parfaitement, en fait. Bon, on va rééquiper Chrome vite fait. Et du coup, on est parti pour le dernier perso, si je ne me trompe pas. Alors, 3... Attends, 3, 6, 9, 10, 11, 12... 12, 24, 36, 48, 60, 61, 2, 3, 64, 65, 66, 67, 68. Je crois qu'il m'en manque. Je crois qu'il m'en manque encore. Ce 68, ça me paraît léger, non? 68, je sais pas. Il n'y avait pas 73 au total? Ah, c'est 73, il m'en manque 5. 5 quand même. Wolf. Ok, 11800 de puissance, c'est fort. Mais bon, nous on a 12500, ça devrait aller. Avec Alucard. Remporter la victoire sur combien de temps? Exactement. Nous sommes partis. Hop. Voilà. Ah bah, c'est fait. Ok. Et ben, Wolf, on l'a défoncé. Hein. Voilà. Wolf fait son entrée, cool. Bon, je sais plus trop qui nous manque. Est-ce qu'on a tout justement? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Qui nous manque? Est-ce qu'il y a quelque part... Alors, on a commencé ici. Hein. Commencé ici. Est-ce qu'il y a quelque part qui nous manque? Ah non, on a commencé là, pardon. Tant pour moi. Mais normalement... Ah putain, il y a un perso là. Il y a un perso ici. Putain, c'est horrible de faire la map comme ça, mais bon. On n'a pas le choix. On prend quelques minutes, vous inquiétez pas. Alors, hop. Donc il nous manque que ici en fait. Si je me trompe pas. Il me manque que là. Un coin que je n'ai jamais fait. Ah, ici je l'ai pas fait. D'accord. Il faut que je revienne au début. Je reviens là. Ouais, d'accord. Ok. Alors je pense avoir à peu près trouvé. Je pense. D'accord, il nous manque un perso ici, mais à part ce perso. Merde, il y a combien de combattants? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il va m'afficher vous avez tous les combattants justement? C'est ça le truc. Mais bon, ça va. Vu que là je vois plus rien, je pense qu'après on va essayer de retourner. On sera pas très loin de la sortie justement. On va essayer de retourner de la sortie, on verra bien. Alors deux choix. Deux choix. Lequel de ces esprits vend des meubles d'habitude? Tom Nook, non? Ah, Runar, oui. Gérant du magasin. Oh, putain, ça a totalement rien à voir. Mais Runar, il vend rien. Il vend des meubles, lui. Runar vend des meubles? Je sais pas. Bah, Runar. On va essayer. L'autre il me parle absolument pas. Hein. L'autre il me dit absolument rien. Donc bah Runa, on va essayer. Bon, de toute façon il y en a que deux donc ça c'est bien. Et au pire, c'est juste pour voir si j'ai raison ou pas les amis. Hein. Juste pour voir. Alors l'épisode sera peut-être plus long les amis. Hein, parce que j'aimerais bien finir le jeu. Là on est vraiment plus très loin quoi. Pas faire un épisode de 5 minutes. Ah, quel enfoiré. Voilà. Voilà, nice, parfait. Fox, c'est fait. Fox pour Runar, hein, c'est logique. C'est évidemment logique. Alors, est-ce que c'est lui qui vend des meubles? C'est lui qui vend des meubles? Runar vend des meubles. Genre, what the fuck? Ah ouais, Runar vend des meubles. Ok, bah d'accord, mais très bien. Ça se voit que je suis zéro en animal aussi. Ça se voit. Et c'est inquiétant. Alors, voyons voir la suite. Gérant du magasin. Ok, c'est un Mario Maker. Alors, je sais pas pourquoi, mais ok, d'accord. Mario Maker. Pourquoi pas? Alors, à part juste qu'il ressemble un peu à Mario avec la moustache, pourquoi Mario Maker? Je vois pas pourquoi. Genre Mario simple aurait suffi, tu vois. Ou même Docteur Mario à la limite, je trouve. Un trompe. Ah, c'est un Smash Endurance. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, il y avait encore un trophée. Waouh. Ok. Gérant du magasin, oui. Yes, c'est un soutien. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les amis? Herbe, ok, d'accord. Alors, let's go. Le... possiblement dernier perso, les amis. Possiblement. Le dernier perso de notre aventure. On va voir qui est le dernier. Qui est celui-là qui nous aura résisté jusqu'à la mort? Alors d'abord, boss Galaga avant. Ah ouais, un Galaga. Eh oui. Pourquoi il n'y a pas eu ça plus tôt? Un Galaga, quoi. Ils ont oublié ça, réellement. Putain, je suis frustré. Les Galaga, c'était tellement bien. Ouais, les objets sont attirés par ça. Quoi? Les objets? D'accord. Ah bah c'est nouveau ça.
D'accord. Et en plus, il y a 1 milliard de Pac-Man. Yes. Oh non. Ah putain. Ah non, mais. Ah, en plus, j'oubliais. C'est vrai que les Galaga sont absolument horribles. Hop. Il a survécu. Pardon. Quoi? Ok, lui il est mort. Ouais, lui il est dead. Lui il revient pas. Ah merci. Merci qu'il revient pas. Un Galaga c'est horrible. Oh putain. Mais quel objet de fils de... Putain c'est horrible. Ah c'est affreux quoi. Mais quel objet c'est... Ah putain, je le déteste. Franchement je le déteste. Même en tant qu'allié je le déteste. Rob, ok, bon bah du coup c'est Rob, en théorie le dernier, en théorie, je suis pas sûr. On va voir, s'il met une petite étoile, normalement c'est le dernier. Du coup après on va quitter le stage et on va voir. J'espère que j'ai tout fait, j'espère que je ne suis pas perdu. Sinon ça va être un peu chiant à retrouver, mais bon, écoutez, on va faire. Hein. Hop, ok. Voilà. Allez. Ah putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi de cette frappe de gonzesse? Allez! Mais putain, il a une défense de fou! C'est quoi ça? Dégage! C'est incroyable! Putain! Rob! Ok. Bah voilà, on les a tous ou pas? Est-ce que c'est fait ou pas? J'aimerais bien qu'il me dise vous avez débloqué tous les combattants. Ça m'arrangerait, honnêtement. Ah putain, il me dit pas. J'ai peur. Ah là. Ouais, là j'ai peur. J'ai peur pour moi, les amis. Bon, alors, ce qu'on va faire, hein, on va évidemment revenir en arrière et on va regarder si on les a tous ou pas, si on peut fêter ça ou pas. Alors, par contre, comment on revient ici? Ah, c'est par là, autant pour moi. Autant pour moi. Ah bah non, même pas. Mais attends, comment... Ah, attends, c'est là. Ah putain, il faut le voir ton dessin. Waouh. Non, mais il faut le voir. Alors, on va voir s'il y a une étoile, j'espère. J'espère qu'il y a une... S'il vous plaît, faites qu'il y ait une étoile. Faites qu'il y ait une étoile. Attention. Est-ce qu'il y a une étoile? Alors. Ah, j'en sais rien. Oui, il y a une étoile, les amis. Ok, bon bah, je pense qu'on a débloqué tous les combattants. Genre là, je pense que nous avons tout. Il n'y a plus aucun esprit, normalement. On va regarder. Mais de toute façon, ce qui est bien, les amis, avec Smash Bros, ce qui est très bien, c'est que quand on aura terminé le jeu, on aura un pourcentage. Et du coup, s'il y a marqué 100%, on est bon. Et si c'est pas le cas, on n'est pas bon. Alors, donc du coup, Sombra, un combat sans furitude. On va prendre Link. Et nous sommes partis. Vu que c'est un élémental. Allez, let's go. Bon, désolé, hein, épisode un peu plus long, les amis. Et là, on est sur la fin. Hein. Une grosse hype nous attend. J'ai pas envie de faire un épisode de 5 minutes pour l'épisode final. Je l'ai déjà fait, mais voilà. Comprenez-moi, les amis. Allez, Sombra. On avait affronté Killer il y a quelques épisodes de cela. Et là, on est parti pour Sombra. Oh putain. D'accord. J'ai failli mourir. Comme une grosse merde. Ça aurait été rigolo à voir. Putain, mais. T'es obligé de te mettre là. Genre, s'il te plaît, quoi. Respecte-moi. Respecte les gens qui ont un recovery de merde. Ok. On lui met ultra cher. Oh là, on lui a mis. On lui a mis quand même super cher. Ok. Oh putain. C'est quoi ça? Ah! Oh putain, merde, j'ai raté. Oh putain! Ah, je l'ai raté. Je l'ai pas eu, je suis pas bon. Oh! Oh putain, il m'a mis un effet de ralentisseur. Ça, c'est con. Oh! J'ai mis un petit dégât. Oh, un deuxième dégât? Non. Genre. Ah, il s'énerve. Ok, il a une phase qui s'énerve, d'accord. C'était le cas pour Killer? Je m'en rappelle plus. Je crois que ça a dû être le cas pour Killer, je m'en rappelle plus. Ouais, si, ça doit être ça. Oh putain. Et par contre, je me demande s'il peut me mettre Joker et. Ouais. Oh putain. Il m'a mis un sale Genkidama. Ah non, mais par contre. Gros, tu te mets là quoi. Hop. Ah le bâtard. Hop. Oh putain, il est coriace hein. Il a de la vie hein, le bougre. Genre, ça a rien à voir avec un des maniaques. Mais bon, encore heureux, tu vas me dire. Putain, je prends ultra cher. Oh le coup! Oh c'était bon! Oh c'était beau! Putain, un grand moment dans le sport! Un grand moment de l'histoire, les amis! C'est incroyable! Ah, mais c'est ouf! Vous avez vu ce que j'ai fait?
Putain, incroyable. Genre là, je n'ai même pas voulu en plus. Ah putain. Ok, hop. Et c'est bon, il est mort. Cool. Son bras, c'est fait, les amis. Qu'est-ce qui va se passer? La fin du jeu ou pas? Il me semble que c'est pas la fin du jeu. Il me semble. Il semble qu'il y a encore un truc. Mais déjà, on va peut-être avoir une petite cinématique. Hein? Où Nintendo a totalement craqué le budget sur la cinématique. Mais dommage qu'il n'y en ait que 2-3. Dommage. C'est un peu comme Sao Holorization finalement. C'est un peu le même délire. Genre Sao Holorization, il y avait des cinématiques de fou. Par contre, il y en a 3. Ça, c'était la tristesse. Ok. Bon, visiblement, il faut sauter dedans, j'imagine. Hein, c'est sûr, même. Ah non, mais ouais, vu qu'il faut sauter dedans, je crois qu'il y a encore une map. C'est pas fini. Je crois que c'est pas fini le let's play, les amis. Ok. Ah ouais, on saute, je crois qu'il va en trouver une map. Ah! Est-ce qu'elle est longue ou pas? Putain, décidément. Ah, décidément, ce Smash, incroyable. Il est long. C'est ouf. Alors. Oh! Petite cinématique. Entre Killer et son bras. Ah ouais, je sais ce qu'il va avoir. Ah ouais, s'il y a une troisième map, les amis, je me rappelle. J'ai vu Icarus la faire. Par contre, cette cinématique-là, je ne la connaissais pas. Oh! Son bras et Killer qui me regarde. Ah, d'accord, il y a tout le monde. Eh oui, bah, je soignais quand même pas mal de monde, mais il nous en manque, je pense. Hein. C'est ça, je me disais, il me manque 2 ou 3 persos, je crois, pas plus. Ah, voilà. L'ultime map, les amis. Là, voilà. Une où on doit défoncer Killer, une où on doit défoncer son bras. Et il y a un truc de particulier à ça, en fait, les amis. C'est que, en gros, vous avez remarqué, il y a des esprits de lumière et des esprits ténèbres. Et du coup, à chaque fois qu'on va battre un esprit ténèbre, la lumière va plus pencher à gauche. Et si on bat un esprit ténèbre, la même chose, mais à droite. Voilà, tout simplement. Et vous remarquez aussi qu'il nous manque des persos. Il y a un perso là, un perso là, un perso de lumière, un perso de ténèbres, et un ultime perso. Non, il y en a plus que deux. Ah, il y en a plus que deux. Pour faire certainement 72 persos, je pense. Ou 73, à mon avis. Voilà, les deux ultimes persos. Et là, les amis, là, je plains les gens. Qui ont leur main, leur mate dans les deux là, clairement. Là c'est rip à vous, hein. Franchement vous avez pas eu de chance. C'est encore Chrome, j'aurais pu l'avoir là, mais ah, le destin m'a épargné un peu. Bon, bah les amis, on s'arrête ici, désolé, c'est pas l'épisode final, j'espère que bah, vous êtes contents quand même. Donc c'est pas l'épisode final, il nous reste encore une map à faire, le prochain épisode je pense qu'on va pouvoir, bon peut-être pas finir la map, mais au moins extrêmement bien avancer. Allez les amis, merci à regarder, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et ça m'aide beaucoup, et tu peux aussi visiter l'onglet communauté de ma chaîne, je pose des infos de temps à autre. Allez les amis, bye tout le monde.